c'est l'espoir. Pourquoi t'es là ce soir? Pour soutenir Yasmine, c'est bien. Voilà. Eh bien, pour soutenir Yasmine Boudjena, parce que je pense qu'une candidature comme la sienne est très appréciable pour Bagneux, Montrouge et Malakoff, et que les élections législatives, c'est quelque chose d'important dans la vie de ces communes, et que donc une personne comme elle, dont je sais qu'elle a à cœur l'intérêt de ces communes et l'intérêt général, est primordial pour moi, voilà. Je pourrais dire pour accompagner ma voisine. Non, pour le soutien, pour la soutenir. Je trouve que c'est important, il y a les législatives en 2017, et il faut faire bouger les choses. Il faut que ça change. Il y a plein de choses qui doivent changer. Parce que je considère que c'est une personne qui va défendre des valeurs auxquelles je suis moi-même attaché, de solidarité, de partage. Et je suis là parce que déjà je vois Yasmine dans la rue, présente avec les habitants, à l'écoute. Ce qui m'intéresse moi dans la politique, c'est avoir des gens qui font, qui mènent des actions, qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils disent. Eh bien, parce qu'habitant Bagneux, je suis très sensible à tout ce qui s'y passe, et à Bagneux, et en règle générale, pour la France, tout simplement. Je suis là pour venir un petit peu voir ce que les uns et les autres ont à dire, et pour soutenir la candidature de Yasmine Boudjena pour la députation. Mais c'est avec joie que je participe à cette soirée pour soutenir, bien sûr, cette candidature. Et pour participer donc au lancement de cette campagne, pour soutenir Yasmine Boudjena dans cette législative. Voilà. Parce qu'on sent que la France elle a besoin d'un vrai projet progressiste. Maintenant, après des années de politiques libérales qui ont fait que du chômage et que du malheur dans la société française, maintenant il faut vraiment un projet qui propose quelque chose et de l'espoir. Devinez, je suis là pour soutenir notre candidate, absolument. Il n'y a qu'elle qui passera, parce que c'est une bonne candidate et c'est une bonne cause.